Mais je crois qu'il me l'a dit en plus. Je crois qu'il me l'a dit au début, là, quand je suis rentré dans la zone, là, qu'il fallait que je récupère un appareil, là. Mais bon. Alors, attends. Hop. Hop. Putain, ça descend vite, hein. J'aurais pas le temps, hein. Putain, comment ça se fait que c'est si rapide, là, d'un coup? Ouais, la vie elle descendait pas si vite tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vite, 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 vite. Trop tard, putain. Je vais être coincé là. Bah c'est par où je suis venu. Y a pas de raison. La merde. Putain, j'aurais pas dû venir là, en fait. Parce que là, ça baisse. Atteindre la porte. Et ça baisse de plus en plus vite, jusqu'à ce que tu crèves. Et il veuille que j'aille jusqu'à la porte. En fait, faut se dépêcher quoi, c'est tout. J'imagine. On va essayer de rusher jusqu'à la porte. Ah déjà. Là, je perds du temps à faire mon demi-tour. Ah là c'est bon. Là la santé elle va remonter. Mais ouais faut vraiment pas traîner quoi. Alors sinon est-ce qu'on peut se TP? Au pire. Je crois pas, non. Parce que là. Ouais, voyage rapide, non, tu vois, je peux pas. Parce que je suis entré dans un truc. Ok. Une boîte de composants. On trouve ce genre de boîte un peu partout et contiennent des composants permettant de personnaliser votre mecton. Ah c'est ça là, c'est la grosse caisse, hein. Ok. C'est quoi, c'est pour l'armure ça? Ok. Ça, c'est pour l'équipement. Retournez voir Gizmo. Et là. Là, je vais pas pouvoir repasser par là. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Parce que là, j'ai pas d'autre passage. Là. Là, on est foutu. Je peux. Ah si, alors attends, peut-être là. Ok. Ah bah voilà. Nickel. Oh putain, est-ce qu'on peut piloter ça un moment?
Bah, c'est peut-être ça l'arme qu'on va utiliser contre le boss. Sûrement même, je pense. Ah. Il dit que ça suffira à finaliser le Mecton. Il faudra se passer de blindage et de réserves d'oxygène suffisantes. Mais vous aurez un moteur, un trempe carburant, un canon et un filet de collecte. Allez, filet de collecte. C'est une invention qui récupère des ressources à même récupère le sol. Récupère des ressources, ok. Souvent, on trouve... Il planche sur canon. Un autre projet pour le Mecton. Un canon. Mais pour ça... Ah, je veux bien le canon, ouais. Le meilleur moyen de trouver des squips, c'est d'aller voir... Aller voir Moog. Hélas... Ça veut dire que vous allez devoir vous enfoncer. C'est une petite bestiole Pour personnaliser le Mecton. Ah, c'est ça le Mecton, c'est l'espèce de robot là. Grimper dessus et utiliser la touche appelée la monture. Bah voilà. Modifier le Mecton. Tête, torse, dos, jambes. Alors attends. Ah. Là j'ai ça et ça, mais c'est purement esthétique a priori. Voilà, j'ai rien d'autre. Ok. Ouais, c'est pas mal. Alors attends, est-ce que je peux tirer là? Eh oui. Je peux sauter. Je peux dasher. Je peux... Ça c'est quoi? C'est la parade. Est-ce qu'on a les... Ça c'est la personnalisation. Attends, est-ce que j'ai des combos encore différents là, avec ça? Si je prends ça... manœuvre. Non, c'est pas ça. Corps à corps. Peut-être dans, si, peut-être dans le combat rapproché. Bah non. Bah écoute, on verra. Mecton peut pas traverser les flaques de pétrole, mais vous pouvez vous en servir pour les drainer. Pour se faire, approchez-vous d'une flaque et appuyez sur L1. Ok. Ah bah voilà. Impeccable. Ouais, c'est cool ça. Alors attends, je peux pas le... Ah non, ça consomme de l'endurance. Le Mecton de l'animaux mécano est bâti solidement, comme son créateur. Essayez d'imaginer à quoi cet endroit pouvait ressembler avant le raz-de-marée pétrodiluvien. C'est quoi? Des bestioles.
Retenez bien votre souffle. Hop là, on décolle. Ça, c'est cool ça. Vous êtes sur le point de contempler le spectacle incroyable qu'offre la zone morte. Ah. Ah, attention. Hop. Ce que vous voyez là, c'est la pentraide, la falaise à laquelle Moog aime se suspendre. Je peux pas monter, moi. Comment on fait alors? Merde, je vais tomber alors, attends. Comment je fais pour aller là-haut? Vite. Ok, c'est bon. Inmo. Voyons voir. Il est impressionné de vous voir ici. Il pensait que vous... Qui es-tu ? Dit qu'il est un chasseur de monstres. Le meilleur d'entre tous. Moog dit que tout ce pouvoir est vain si l'on n'est pas prêt à prendre... Choisir qui tuer et qui épargner sont... Vous avez peut-être une bonne... Dit qu'il est difficile de décider... En ce qui concerne les monstres... Se demande pourquoi vous vous acharnez à garder les choses en vie. Dit que vous devriez cesser de collaborer avec ces entêtés de myriades. Ils ne cessent d'essayer d'éteindre leur lumière, mais ils n'arrêtent pas d'en allumer de nouvelles. Ok. Dit que... Bon, changeons de... Il dit que la nature, les animaux et tout le tralala se sont rebellés. L'instinct de sur... L'instinct survie, Marie, tu m'étonnes. À présent, alors, il a le sentiment d'être arrivé à un point où il connaît très bien les déplacements des monstres. Petit... Hop. Moog dit que c'est en forgeant... Alors, vous entraînez avant de pouvoir vous proclamer le chasseur de monstres. Et oui, entraînons-nous alors. Il n'y a pas meilleur endroit pour commencer. J'aimerais mieux m'exercer au tir, mais je suis prêt à chasser. Moog dit que vous devriez aller chasser les squips se trouvant dans la grotte. Vous devriez aller chasser les squips dans la grotte. Ok. Est-ce qu'il faut que, faut que je reprenne le truc ou pas hein? Je sais pas. Allons chasser les squips. Ah, c'est ça un squip là?
Ah ouais, j'ai des combos aussi là. Alors attends. C'est par où? C'est par là. Attendez, c'est là que se cachent les squips. L'endroit grouille de bestioles. Ça c'est quoi ça? Ah, faut que je descende du truc pour ramasser. Je ramasse l'arme de corps à corps ultime, l'arme de longue portée ultime et le gadget de l'ancien monde. Ah, là il va falloir que je descende, ok. Les émanations des déchets nucléaires sont alors remontées à la surface et un gaz volatile a infesté les bâtiments jusqu'aux structures de Toxanol. Ainsi, d'une certaine manière, ils ont causé leur propre mort. Atteint des tâches supérieures, mais là on descend. C'est con. Comment on va là-bas? Ah non, putain, faut pas que je gêne là-dedans. Faut que je fasse attention là. Alors attends, il y a un truc là-haut. Est-ce que je peux y aller? Oh! Eureka! Allez donc faire sauter le couvercle de cet oxytone. Il va tout inonder et vous pourrez atteindre l'entrée en hauteur. Ah merde, putain. Les touches, elles changent. Oula. Et ça fait quoi, ça? Pas grand-chose, hein. Hop. Ok, et d'un, deux, trois, quatre, non, trois, quatre et cinq. Ok. Attends, bah écoute, si on peut, si on peut en choper plus, hein. Décider de sort de la créature. Ah voilà, bah on va la tuer, comme ça je vais gagner en... côté obscur. Et comme apparemment il y en a pas mal, je pense qu'on va vite
vite devenir très mauvais. Ça c'est quoi, un pistolet? Ah bah voilà, il m'en fallait deux. Du coup ça y est là, j'ai mes deux pistolets là. Et là on va sombrer dans les ténèbres. Fini le sauvetage du monde, là on va tuer on va l'anéantir, on va l'achever le monde. Alors fais voir ce que ça fait le double pistolet là. Est-ce que j'ai des nouveaux combos avec ça? On va tester. Alors attends, les squips là. Il n'y en a plus, on les a tous eus. Est-ce que j'ai gagné en point de ténèbres? Ah ouais, 5. Je suis à 5 ténèbres. Donc ça va, on va pouvoir voir si ça a eu une influence. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Alors. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Bien, le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Ok. C'était difficile, quoi donc. le puzzle là, bah écoute, pour l'instant ce qui est plus difficile, c'est que t'as un nombre de coups limité en fonction de ton niveau d'intelligence. Donc si tu mets pas suffisamment de points, bon là on est au début, je pense qu'après peut-être qu'à un moment on va être bloqué hein. Peut-être qu'il y aura des puzzles qui nécessiteront plus de coups. Salut Suzucube, comment ça va? Alors attends, parce que là, je vais changer d'étage. Tu manges du poulet? Bah écoute, bon appétit. Ouais, j'ai vu que t'étais sur un jeu là que je connais pas. J'ai juste regardé ça en vitesse avant de lancer le live. Nul. Ah mince. Parce que ça avait l'air pas mal pourtant. Ok. Bon bah c'est tout. Moi j'ai. Attends, y a rien d'autre à faire là-dedans? Ok. Ah, ça a l'air d'être un espèce d'RPG aussi. Nouvelle. Ouais, nouvelle. Ouais, bof, ok. Beaucoup d'erreurs. Alors, attends. Hop, hop. Ouais, non, bah c'est tout. On monte. Ah. Aspigrulam. Chance de butin plus 9%. Ouais, c'est un truc à deux mains. Une arme lourde. Je vais voir. Ouais, j'ai tout récupéré là.
Marc, ça c'est peut-être plus efficace. Hein. On va essayer aussi. Et là, alors attends, je peux descendre là. Ah bah je récupère. Hop là. Mon mecha. Et go. Bon, on s'en va alors. Mais c'était quoi c'est que t'as fait? C'était le jeu, c'était une démo, une bêta Ah attends. Non, je croyais que je pouvais tout casser, mais non. Ah, le jeu entier, ok. Ah, c'était un test oublié, ok. Est-ce que je pars du bon côté là? Je sais même pas. Il manque une mini carte hein, quand même là-dedans, dans le jeu, je trouve. Ou alors c'est moi qui, comme un con, l'ai pas activé dans les réglages. Ah, c'est un jeu Switch. Ah, alors attends, il faut que je descende. Hop. Il dit que vous avez assez de squip pour fournir des munitions infinies aux canons griffes du Mekton. Bien joué. Ah. Alors c'est quoi le canon griffe? Parce que je pouvais déjà tirer. Pour stocker les squip dans le Mekton. L'arme spéciale. Elle sera assez puissante pour les tirer sur le Gigapouf. Gizmo a déjà fabriqué des véhicules pour affronter lui-même le Gigapouf. Sans succès. Mais cette fois, c'est différent. Le Mekton sera de taille. Donc c'est lui Gigapouf. Il est temps de mettre un terme aux agissements du Mange-Monde. Sans quoi, il craint que l'arbre ne subisse des dégâts irréversibles. Il dit que ce n'est même pas la peine de songer à affronter le Gigapouf à pied. Croyez-le, pour ça, vous aurez besoin du Mekton. Il est encore temps d'améliorer le Mekton avant d'affronter le Gigapouf. Dans la zone morte, vous trouverez des caisses avec du matériel qui vous permettront d'équiper vous-même le Mekton. L'idée de construire... Gizmo veut vous aider s'il le peut. Assure à vous. Ok, donc là on peut y aller là, maintenant. Là on peut aller taper le boss, mais il nous a dit quand même qu'il valait mieux s'équiper avant. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On va retourner dans le truc là, essayer de choper du matériel. Parce que le Gigapouf, il est ici. Et là, alors attends, la zone morte, elle est là. Qu'est-ce ? Ouais, qu'on aille ici. Donc on va venir là, d'abord. On va essayer d'améliorer le Mekton. Et après on va y... On va y casser la tête au boss et on va essayer de faire tout ça avant Horizon. Donc il y a 14 caisses.
après, ouais, on va peut-être pas choper les 14. Imaginez un peu. Au temps de l'ancien monde, on allait dans ce genre d'endroit et quelqu'un nous servait un bon plat chaud. Ok, c'est bon, et on a une caisse là. J'avais pas prévu de live réaction sur Horizon. Comme il y en a qui sont passés sur live quand on posait la question, tu vas en faire un. Bah ouais, bah... Bon, c'est pareil, hein. J'avais pas prévu ça, mais... Ça... Ça a été réclamé hier, donc... Bon, ça va, c'est pas... Oula, c'est quoi, c'est un cul de poule? Où c'est qu'on va mettre ça? Hop. Mon avis? Sur quoi? Sur Horizon? Bah écoute, on verra. Hein. Moi, je suis surtout curieux de savoir si on va avoir la date de sortie. Bah, c'est ce que je me posais comme question tout à l'heure. A priori, oui. Hein. Mais je pense qu'on saura tout ça tout à l'heure. Alors attends, est-ce que... Ah ouais, d'accord, si tu peux... Ok. Tu peux faire ça. Mais... Ouais, ça change pas les caractéristiques apparemment tout ça. On va voir. Ça c'est quoi ça? C'est nouveau ça. Non. Non, ils sont un peu plus grands que ceux de tout à l'heure. Alors là par contre, je vais pas pouvoir y aller comme ça maintenant. Il y a un temps okay. Et un lieu pour tout. Et cette mégacité. Alors on est dans la mégacité. Alors attends, là je me fais attaquer. Ah ouais putain, j'avais pas vu, ok.
ça c'est bon. Ah, il faut pas que je traîne parce que là je peux pas respirer là-dedans. Un ventilateur. Alors ça c'est quoi ça? Ok. Ok. Mais on peut pas voir les caractéristiques en fait du truc. Ce qu'il disait qu'il fallait s'équiper pour aller voir le boss, mais ça change rien au. Il n'y a pas d'amélioration particulière avec ça. Ouais, c'est bizarre. Ok. Ou alors, j'ai pas trouvé encore ce qu'il fallait. Ah. Impossible de descendre. Allez, vite, 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 cours. Voyons voir. Hop là. La Briboom 7B est toujours là. Ouvert et prêt à vous héberger. Ok, on a pris un niveau. On va lui mettre de la... De la vitalité là. Quoique non, on a dit chance. Hein. Chance pour le loot. Je préfère ça. Là j'ai 4 points psy. Ok. Dépressurisateur. Ok. Ah. Des soins, ouais.
Cross. Veste graisseuse. Ouais, bah elle est moins bien que celle que j'ai, ok. Ça, c'est quoi ça? Pantalon de commando. Légendaire. Oh putain! Il faut être niveau 18. Ah oui, résistance au poison. Ok. C'est bizarre qu'à chaque fois il m'affiche zone terminée alors que j'ai pas tout ramassé. Allez, on est reparti. Ah. Est-ce que je peux passer par là? Non. Où je peux contourner là? Ah zut, putain, je suis tombé. Oh quel con. Et alors attends, parce que là... Ouais, si je suis obligé de passer par là... Là, ça m'éloigne du truc là. Pourquoi il m'emmène aussi loin? Ces tas de briques sont des symboles de la croissance démesurée de l'ancien monde. Mon gosse. Oui, j'ai vu. Effectivement. C'est de la semaine. C'est pas un... Merde. Putain, laissez-moi partir. Ah putain, je suis coincé. Putain. Comment je sors de là-dedans? Ah, je suis coincé, je suis obligé de combattre là. Oh, chier.
Ça m'arrange pas, ça. Ah bah non, si, ça va être là-bas à la sortie. Hop. Pas du tout. C'est par là. Alors attends, comment je retourne à mon truc là? Ça. Du coup, j'espère que je peux repérer mon robot là sur la carte. Sinon, ça va être chaud. J'ai pas l'impression que ça vaille le coup en plus de faire ce que je fais là. Donc, je vais juste récupérer celle-là et après, je pense qu'on va aller voir le boss. Mini boss, super. On va le laisser tranquille. Hein. Doc, c'est ça le... Ah, bah, je peux faire le voyage rapide. Ah, bah, ok, pourquoi s'emmerder? Je l'ai laissé où? Je l'ai laissé là, je crois, non? Ouais, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré là? Ça. Ok. Allez hop, on s'en va. Mais est-ce que c'est par là qu'on s'en va? Je sais pas. Je pense pas. Alors attends, on va. On va suivre le boss. Ça sera peut-être mieux. Et en avant pour le gigapouf. Faire le tour. Parce que je suis coincé là. Ouais, si, bon, on peut tout défoncer là. C'est bon ça. Et alors attends, est-ce qu'on n'a pas des trucs à récupérer sur lui? Non. Ouais, on se
s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le boss. Ah merde, putain. Ce sera pas par ici. Oh putain. Merde. Est-ce que je peux remonter là? Oui. On s'en fout. Le 24 juin. Bah écoute, moi je suis encore à doter, mais moi, il m'avait toujours semblé qu'il avait été annoncé pour novembre, mais bon. On verra. Alors attention, le premier vrai boss du jeu. Le Gigapouf. Oh putain. Ce gigapouf a l'écro. Pas de sentiment. Il faut l'éliminer avant qu'il dévore le monde entier et vous avec. Ah. Phase 2. Mais là... Ok, là on peut pas y faire de dégâts. L2. Ah ouais, c'est là où il faut que j'y balance les trucs. Oh putain. Zut, trop tard. Fait que je me rapproche. Oh oh, le gigapouf est en colère. Il passe à la vitesse supérieure. Il y a de l'électricité dans l'air. Oui. Encore un ou deux comme ça, et il va vous griller les circuits. Attention. Ouais, là c'est là où il faut que j'en profite pour me soigner. Il est où? Il est là-haut. Mais ça, ouais, non, mais tu dis ça, mais pour Returnal, mais ça fait bizarre hein, de passer de Returnal à... Parce que c'est là que tu te rends compte que dans Returnal, le système de tir, de visée, il était super bien foutu. J'ai un mauvais pressentiment qui me prend à la gorge et me retourne l'estomac. Voilà, voilà. Quand on se prend pour un amuse-gueule,
Il ne faut pas s'étonner de finir en digestif. Vous approchez dangereusement du boyau final. Remonte, regardez-vous. Un beau petit caca sur pattes. Après une sortie pareille, pas le choix. Il faut re-rentrer tout de suite. Ok. Tiens, c'est marrant. Mais alors attends, faut que je fasse vous quoi approchez en fait dangereusement du boyau final. Remontez le courant ou vous ressortirez les pieds devant par les voies naturelles. Ouais, mais alors comment tu t'y retrouves là? C'est par là? Putain, c'est... Non, c'est bien foutu, hein, quand même. Cette cyclo-porte est gigantesque. C'est le plus grand que j'ai jamais vu. Vous voyez, c'est la beauté intérieure qui compte. Notre ami gargantuesque est au bord. Il vaut mieux se faire recracher que se faire digérer. Faites un peu plus attention, quand même. Merde. Ouais, c'est par là, du coup. Hop là. Attends, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ça alors. Ah, voilà. Le combat se termine dans la joie, l'allégresse et le vomi. C'est ce qu'on appelle un final héroïque. Putain, c'était cool comme combat. Transition super sèche. Non, mais c'est bien parce que tu t'attends pas à avoir des trucs comme ça dans un combat de boss là. C'est original. À la rencontre du c'est bien pensé. Pour en apprendre davantage cool. Sur la machine qu'il a baptisée l'Arche. Vous êtes quelqu'un de bien. Il est persuadé que vous savez où se trouve le fossile actuellement. Il a toujours vécu au pied de l'... Moi, là où j'ai eu un peu de mal, c'est avec le système de visée et le verrouillage, enfin le non-verrouillage. Enfin, quoi qu'après, c'est bizarre parce que tu peux cibler plusieurs parties du corps, des fois, des ennemis, mais tu peux pas faire de lock. C'est un peu bizarre. Les animations, ouais, des fois elles sont un peu. T'as l'impression que ça. Il en manque entre deux trucs. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un super jeu, hein. Franchement. Il a plein de bonnes idées. Des trucs qui changent. Et il est bien foutu, hein. Et après, ouais, donc pour en revenir à Horizon, ouais. God of War, Kena, bah Kena, pareil, hein, je pense que Kena, vu que c'est un petit studio, un petit jeu, je crains qu'il se fasse aussi autant critiquer que Biomutant, hein, malheureusement. Oh, c'est bon, on a battu le gigapouf là, c'est pas eux qui vont nous arrêter. Hein. Surtout que là j'ai mes deux pistolets. Je peux me la jouer à la Dante. Ah zut, je pensais l'éviter. Il est où? Peut-être me soigner quand même un peu, hein.
Et hop là. T'aimes pas trop la DA de Kena ? Ah ouais. Et pourquoi, c'est quoi l'histoire avec Salut RN10. Comment ça va? Avec Shudai Pai. Tu passes un peu avant le dodo? Ouais bah pas de soucis, ça marche, bienvenue. Est-ce que t'as mangé ou pas encore? Tu viens de louper mon premier vrai boss. Que j'ai massacré hein. Ah, alors attends. Décidé du sort de la créature, RN10 ferme les yeux, je vais tuer la créature. Parce qu'on a dit qu'on passait du côté obscur. Donc faut que je gagne des points d'obscurité. Ah, il a fait un stream biomutant avant tout le monde et il a eu l'exclusivité. Ok. Ça, ah ouais, non mais voilà, c'est ça le problème, c'est que selon qui tu regardes, effectivement, ils vont te dégoûter d'un jeu. Et bah écoute, moi c'est pareil, au début je suis tombé dans l'eau. Et puis après t'apprends que finalement tu peux débloquer la compétence de nage, etc. Mais cette zone est une véritable c'est un RPG fournaise. Quoi, ton perso il évolue. Il faut avoir de quoi vous rafraîchir si vous comptez vous y aventurer. Ah merde, ah ouais, alors là je suis dans une zone désertique, je peux pas y aller encore, ok. Jouer sans conviction. Ouais, bah après qu'un jeu te plaise pas, tu peux pas tout aimer tout le temps. Ok. Après, faut pas confondre pour moi hein, l'activité de streamer et celle de testeur. C'est pas pareil. Ça peut se rejoindre, mais c'est. Tu vois, moi je me prétendrai jamais être testeur. Moi, je joue. J'ai ma façon de jouer à moi, qu'après les gens ils regardent, ils se fassent leur propre idée sur le jeu au travers de mes vidéos, de mes streams, tout ça, ok. Mais tu vois, c'est pas moi qui vais dire ah bah ouais, celui-là il est nul, celui-là il est bien. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'aime bien ou j'aime moins bien ou j'aime pas, voilà, mais. Je vais pas, tu vois, je peux pas parler vraiment technique. Je peux pas dire ah bah là il y a une chute de framerate, là ils ont utilisé trop de polygones. Là ils sont 20 personnes à avoir fait, là ils sont 50. J'en sais rien, moi je m'en fous, je joue, tu vois. Et après ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais je peux pas donner véritablement une note finale en disant bah voilà, achetez ce jeu, n'achetez pas. Parce qu'après c'est personnel aussi, ça dépend des gens. Déjà si de base t'aimes pas les RPG, si quelqu'un qui voit ça et qui aime pas genre Genshin Impact ou du Zelda ou des trucs comme ça, qui va jouer qu'à du Rocket League, c'est sûr, ça va pas lui plaire, c'est pas un jeu pour lui, hein, a priori. Quoique pourquoi pas, après tu sais, tu peux jouer un peu tout, mais si de base t'aimes pas ce genre de jeu, c'est pas celui-là qui va te convaincre.
tomber d'un peu, non? Non, ça va. Voilà. Je chute. Est-ce que je peux remonter? Putain, non, la souris, elle est trop petite. Elle peut pas monter si haut. On va être obligé de faire le tour. Ça se trouve, il a juste demandé 10 000 balles. Bah écoute, s'il les a eues, tant mieux. Mais bon, après, je vois pas l'intérêt de prendre 10 000 balles pour descendre un jeu, quoi. C'est con. Non, mais après, ça marche pas comme ça. Ils donnent pas. Quoique, après, je sais pas en fait. Ça dépend. Parce que moi, tu vois, qui est pas spécialement beaucoup de. Enfin, non, j'ai aucune visibilité moi sur Twitch. Je suis rien. Pourtant, j'arrive à avoir des clés quand même. Donc, je sais pas. Je sais pas comment ils évaluent leur truc des fois. Ah, il a pas descendu le jeu. Ah, ok. Bon, ça va, c'est déjà ça alors. Ouais, il a juste joué histoire de dire qu'il faisait son boulot, quoi. Bah, après, il a fait son taf, quoi. Il a rempli sa mission, il était dans son rôle. Le soraté, mais sous-soté, dit que vous pourrez toujours venir ici siroter un verre. Ah, ah bah tiens. Dit que vous pourrez toujours venir ici siroter un verre. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça aide pas. Ok, ça marche, Suzuki. Bah, bon appétit aussi. A plus. Oh putain, c'est vrai, il est moins 10. Putain, mon timing, il est parfait, hein, évidemment. Ah bah écoute. Ah, t'as fini de manger. Putain, même pas de dessert, rien. Une petite glace après le poulet, non? Du coup, alors attends, est-ce que je sauvegarde là? Pas le temps. Oh. Comment ça, t'as des McChicken? Putain, et t'as même pas pris un McFlurry. C'est une honte. Ah, les wings, ok. Ouais, mais c'est pareil. Même. Chicken wings sans McFlurry. Quelle idée. Mais même un McDo sans McFlurry, c'est pas un McDo. Oh putain, il y a une monture. On va la choper. Mais il y en a plusieurs. Ah non, merde, faut que je chope les graines. Alors attends, est-ce que je peux sauvegarder ça déjà? Hop. Parce que mine de rien, on a passé le premier boss. Le vrai boss.